Bienvenue sur la chaîne de Max le Bourlingueur. Cette semaine, nous allons à Braine-l'Alleud retrouver ma famille et mes amis. Allez, c'est parti pour une nouvelle semaine. Nous sommes encore le dimanche du jour de montage. Et pendant ce temps-là, du côté de la Caradoc Travel, c'est atelier réparation. Alors, il nous faut un bout de pantalon, une chaussure à duvet. Donc on découpe des petits bouts. Tissu. On vient en coller avec de la néoprène. On en colle la chaussure. On laisse sécher un peu. C'est de la colle contact. On laisse sécher. Comme pour les chambrières. La colle contact. Et après, ça donne ça. Oh là les amis, la tête du matin. Une gentille dame est venue nous déposer du pain des courses. Et du pain, c'est vrai, on va pouvoir déjeuner ce matin avec du pain frais. Merci beaucoup pour elle. Regardez comment t'es gâtée. Voilà, il y a des matins, tu te réveilles, t'as rien demandé, mais tu reçois quand même. C'était une belle, un beau réveil. La dame était super gentille, nous a dit « Oh, mais ça se voit, ils sont beaux, ils ont l'air heureux, vos chiens, c'est génial ce que vous faites. » Merci à elle pour le soutien. Sur ce, je vais m'attaquer au café, là. On va faire un petit café et on va se lever à son aise. Et l'anecdote du jour, c'est que je me suis endormi en disant « Oh, j'ai pas de pain, j'ai oublié d'acheter du pain pour déjeuner. » Je mets un déjeuner avec de la baguette et de la confiture et du café. Et presque là, dans le réveil, y a pas de pain. Je me réveille. Oh, madame, bonjour, j'ai apporté de la baguette. Ah, qu'est-ce qu'on est bien reçu partout, c'est incroyable. Voilà encore une gentille mamie. Merci à elle. Et voilà, tout le monde est prêt aujourd'hui. C'est destination Senef. Dans 25 km, un peu de vent légèrement couvert. Ici, on n'a pas les montagnes, mais par contre, on a les passages d'écluses pour les déniveler. Allez, c'est parti pour une nouvelle journée. Et on l'a fait, mon ami. Allez, t'y es presque. Ah. C'est pas la plus raide. Et voilà ma bête noire. Ça c'est avant Stepi Brakni. Il y a une écluse qui grimpe encore plus que celle à la sortie de Mons. Regardez ça. Il va falloir aider à pousser. Je suis de Belgique, là je viens de faire le tour de la France pendant 2 ans et demi. Je vais emmener un camarade de France là et puis on va ensemble jusqu'en Norvège. Je vais d'abord voir ma famille à Braine-l'Alleud et voilà. J'ai fait 8000 km en France pendant 2 ans et demi. Équipé comme ça. Voilà. Bon, c'est avec ce vélo-là, les premiers 1000 bornes, notre vélo, il a lâché. J'avais une boue, m'entraîner sur les équipes ici, la Normandie, elle m'a acheté les moteurs électriques. Donc je suis passé sans moteur, là. Alors là, on a mis l'anti-recul.
le 11 dents à l'avant, le 46 à l'arrière et en mouline. On a réussi! Des écluses comme ça en France, il en a rarement vu, même jamais. C'est vrai que c'est plutôt impressionnant. C'est au moins 15 mètres de haut. Et pour ceux qui ne connaissaient pas le pire dénivelé sur les chemins de halage, je vous présente l'ascenseur à bateau de la Louvière. Dénivelé de 21%. Je vais vous montrer ça un peu de plus près. Regardez ça. Ah non, ici ça rigole pas. Et oui, la route que vous voyez à côté du pont, sur la gauche, c'est ce qu'il faut monter. Heureusement, nous on n'y va pas. Alors un petit conseil, si vous devez monter ça, assurez-vous au moins d'avoir une personne. Si vous êtes vraiment trop lourd, deux personnes minimum. Moi je l'ai fait à l'époque avec un vélo électrique. Il y a deux personnes de l'écluse qui m'ont aidé à le monter. Après, ouais, franchement, les autres ascenseurs à bateau, ça passe, mais celui-là, il est raide. Ça reste un bon souvenir. Allez, c'est tout pour le moment. On attend le camarade là et on va donner à boire au chien. 5. Regardez-moi ce dénivelé de malade. Ah, on voit un bout de l'ascenseur de Steppy Brackney. Attention, ça va grimper. Je sais pas si vous voyez, mais à droite, il y a une solide pente aussi. J'ai déjà prise, je veux dire que ça grimpe sévère là aussi. De toute façon, dans le coin ici, avec les ascenseurs à bateau, je peux vous dire que ça grimpe sévère et ça se coupe pas mal. On y est, l'ascenseur de Steppy Brackney, la dernière grosse épreuve de la journée, mais pas la moindre. Vous voyez, on devrait monter là-haut, là où il y a la verdure, tout en haut là. Merci aux gens de la commune qui nous ont dit que le chemin le plus pratique, c'était de continuer le long de la route jusqu'à la prochaine ville. Et après, prochain rond-point, première à droite. Vous trouvez pas qu'on dirait une attraction? On serait dans un parc d'attractions, sensation forte. Au revoir l'ascenseur à bateau. Nous, c'est par là, c'est un grand point. Allez. Nous sommes le long du canal à côté de Manage où on a profité hier de voir le cousin. Et aujourd'hui, c'est direction le vieux canal de Ronquière où j'ai plein de gens à aller voir. Car au tout début de cette aventure, j'ai mis au point la roulotte le long du canal. Même plus loin, mais chaque fois c'était le chemin pour passer par la maison. Donc beaucoup de gens allaient voir et un bel endroit à vous montrer aujourd'hui. En attendant, je vous montre où on est. Il fait légèrement humide et le vent est froid, mais le soleil revient. Et c'est par là. Salut le cousin. Salut. Merci d'avoir apporté le dîner. Alors, en préparation, nous avons du lard, du pain et de la tomate et de la salade. On va se faire des bons sandwichs avant de partir. Ça sent bon. Et puis on reprendra la route pour de nouvelles aventures. Bienvenue sur le vieux canal de Ronquière.
C'est ici que la houlotte a fait ses premiers kilomètres. La rue en pavé, le chemin de halage en pavé, ça dure comme ça pendant une centaine de mètres, 150 mètres. Et voilà, un de mes squats. Yep. Je vais me poser là, et puis il y a encore le sous-bois là. Regardez, il pleut, mais c'est pas mal. Hein. Bon, je vous dis souvent que les bons spots, ça se mérite. Ce soir, Nathalie nous accueille. Elle a un hébergement pour promeneurs. Pas loin donc du vieux canal de Ronquière, on va lui faire monter dans les terres de un petit kilomètre deux je pense, pas plus. Voilà, et on avance, on y est presque. Fini l'altitude là, mais ça montait bien pendant un bon bout de temps. Ouh, tout fatigué. Ah, ce soir faites repos au menu. Tartale Giotte, ça c'est une spécialité de Nivelles. Moi j'habite juste à côté de Nivelles. On va se manger ça. Je vous expliquerai plus tard. Ouais, c'est de la blette avec du fromage un peu spécial, je crois, et de l'ail. On rajoute du beurre salé ou midou une fois qu'elle est cuite. On fait fondre le beurre dessus, on la mange comme ça, ça colle aux dents, je vous dis pas. Et voilà, et pour faire passer tout ça, une symphalien. Ah, mais même, vivement qu'on soit arrivé, il y a d'autres surprises qui nous attendent. Le plan incliné de Ronquière. Bonjour les amis, on se réveille à la ferme au pont à Lalieu où nous avons été accueillis chez Nathalie et Xavier. Ça se situe juste après les péniches du canal de Ronquière. Vous arrivez directement sur le vieux canal. Il y a une entrée à droite, on va vous montrer ça plus tard. En attendant, je vous fais visiter les lieux. Allez, c'est parti. Et voilà la perle, le dôme avec les toilettes sèches, la petite terrasse à votre droite, le barbecue à votre gauche, un petit brasero et la cerise sur le gâteau, le bain norvégien, une petite cuisine extérieure. Et maintenant, je vous fais visiter le dôme. La vue imprenable. Allez, on rentre. Et voilà les amis, nous sommes arrivés au port de Ittre, au port de Plaisance. On s'est posé tranquille. Donc ça faisait plus de 2 ans et 7 mois que je n'étais pas revenu ici.
Je vous avoue que le retour en Belgique était assez compliqué pour filmer les fins de journée, car avec toutes les retrouvailles faites, dont le cousin, les cyclonomades 2.0, donc ça a été vraiment un retour au pays très 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 plaisant pour moi. Et c'est pour ça qu'on est dans un port de plaisance. Tout va bien, mais les vidéos ne sont pas, on va dire, en tout cas, excusez-moi d'avance si j'oublie de filmer le soir ce qui se passe, car les retrouvailles sont un peu compliquées à filmer. J'ai même filmé le voyage, mais gardé une certaine vie privée. Donc, on vous salue bien. On va manger des chicon gratin ce soir. Merci à celui qui nous les a offerts et une bonne soirée à vous. Bonjour. Maintenant tournez fortement à gauche. On est bon mon copain. Ouais. Ouais. Allez, chien. Chien. Allez. Chien. Allez. Chien. Des fois, on est trop large, il faut dégager le chemin. Désolé les gens, faut qu'on passe. Là devant nous, nous avons le meilleur système de barrière qu'on a jamais rencontré jusqu'à présent. Donc il y a un endroit pour mettre une clé triangle, on fait un quart de tour, on tire sur la barre. Et ça passe, et ça s'ouvre. Et voilà les amis, je suis arrivé chez moi, retour à la maison. Retrouver maman. Ah, ça fait plaisir. Que du bonheur, que du bonheur. Elle est pas belle la vie. 8000 km et 2 ans et 7 mois plus tard, retour chez nous. Objectif du jour, 15 km, ça s'est fait. Et on est chez nous, on est chez nous, on est chez nous. Et les loulous, aujourd'hui, ils ont la visite de leur vétérinaire, de chez MedLife, voilà le. Ça va être l'heure de la piqûre. J'ai mal regardé les pattes, même quand je leur donne de l'eau. C'est autre vaccination. Oui. Regarde bien. Bah, je dis souvent aux gens, notre premier fan, c'est toi. Hein. Mais, depuis les premiers voyages. Je te suis depuis le début, mais ça me parle beaucoup. On va bien mettre ça en ordre. Alors là, on peut coller là. Okay. Les amis, on est dimanche, on est venu rapatrier la Caradoc Travel qui est restée en rade depuis jeudi. Et on va disposer à Branaleu. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager. Si ce n'est pas encore le cas, vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao les amis.